لجي الثورة avec la rentrée de Barbary, le numéro 20, qui va faire son entrée. On va vous dire dans quelques instants la place de qui. On attend juste que le ballon sorte. La récupération pour la GSA, voilà, c'est parti très vite pour Zawi là-bas de son côté. Il a joué avec Aoudou. Aoudou, ah, que dit l'arbitre, il a levé son drapeau. L'arbitre de touche. Et ça repart très vite. Hein. On ne laisse pas le temps du côté du MC Oran pour le changement. Le MC Oran qui a le ballon dans les pieds avec Neysimen. Le centre au point de pénalty pour Amran. Que dit l'arbitre? Faute. Et il demande le changement avec l'entrée de Barbary et la sortie donc de Hamzaoui, je pense. Et non, c'est Aoudou, le buteur de cette rencontre, qui va céder sa place et qui sort sous l'ovation des supporters. Ah non, alors que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et voilà, donc c'est Hamzaoui plutôt. Ah, il a, l'arbitre avait brandi. Voilà, donc c'est Hamzaoui qui a beaucoup, beaucoup donné. En première mi-temps, il est remplacé par Barbary. On joue, bien sûr, l'assurance du côté de l'entraîneur Meshich Ali avec l'entrée de Barbary qui va essayer d'apporter un surnombre au milieu de terrain. Et qui va permettre également à Benjilali, lui, d'aller beaucoup plus en pointe en compagnie de Aoudou et bien sûr de ce jeune numéro 15, Belkhir, qui donne du fil à retordre, hein, qui a donné du fil à retordre en première mi-temps et qui essaye de remettre ça en cette seconde période. Belkhir qui joue avec Terbah, Terbah qui tente le petit dribble. Terbah, le centre de Terbah au premier poteau. Et le bon placement de Dahman devant Aoudou, qui était là, qui a surveillé de très près cette balle. Amran. Ah, il perd le ballon. Amran, récupéré par Nadia Saoura. Belgileli. Belgileli qui joue la balle sur le côté pour Tobel.